Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau live Citeo sur LinkedIn. Moi, je suis Adeline Abeg et je travaille au sein de l'équipe communication. Aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions sur le tri des emballages et des papiers en ville, c'est le thème du live, eh bien, je suis avec Anne-Sophie Louvel, directrice service collecte sélective et territoire de Citeo. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Adeline, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot un petit mot sur Citeo pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal. Citeo est une entreprise qui est née de la volonté, hein, des entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés et des papiers graphiques. Citeo existe depuis près de 30 ans et sa mission est de réduire l'impact des emballages et des papiers sur la planète. Et depuis un peu plus d'une semaine, Citeo, et on n'est pas peu fiers, une entreprise à mission et s'est dotée d'une raison d'être et d'engagement qui sont autant d'objectifs sociaux et environnementaux qui structurent l'action de Citeo. Alors, je vous invite évidemment après le live à aller sur notre site internet citeo.com pour découvrir quels sont ces engagements et notre raison d'être. Alors, que fait-on chez Citeo? Alors, dans les grandes lignes, vraiment, c'est la synthèse, hein. En amont de la mise en marché, nous, on travaille avec les metteurs en marché et les fabricants d'emballages pour réduire tout et réduire et rendre recyclables tous les emballages et les papiers recyclables ou réemployables. Et puis, en aval du geste de tri, nous développons la collecte, le tri et le recyclage avec les collectivités locales et avec les professionnels du recyclage. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, c'est écrit là, juste en bas de l'écran, plus on sait, mieux on fait. C'est notre séquence de communication hein, autour de l'expertise et des savoirs de Citeo qu'on partage bien volontiers. Et c'est bien l'objet du live d'aujourd'hui parce que nous croyons chez Citeo que c'est avec la connaissance et l'expertise qu'on prend les meilleures décisions et qu'on fait avancer l'action en faveur de l'économie circulaire. Et je vois que tu ne me contredis pas, Anne-Sophie. Et on va commencer. Je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous dire, pour démarrer, quelles sont tes missions au sein de Citeo? Alors, comme tu l'as dit, moi, je suis en charge de la collecte sélective et de la relation avec les collectivités locales. Chez Citeo, on a la chance d'avoir une très, très belle équipe qui est répartie sur l'ensemble du territoire français, à la fois en métropole et dans les DOM. Et notre rôle, c'est d'accompagner techniquement, financièrement, les collectivités locales dans la gestion de leur collecte sélective, de la collecte sélective, donc à la fois le bac jaune pour les emballages et les papiers et le bac vert pour les emballages en verre. Alors, les accompagner techniquement, financièrement, ça veut dire suivre avec elles l'ensemble. D'abord, financer leurs projets et suivre avec elles leurs projets de modernisation, de rationalisation de la collecte, cette collecte qu'on veut rendre toujours plus performante et toujours plus adaptée aux besoins des citoyens sur les différents territoires. Donc, on est en contrat avec les collectivités locales et avec elles, on regarde les projets qu'elles déploient, ce qui fonctionne et ce qu'on pourrait généraliser sur l'ensemble du territoire français, ce qui fonctionne un peu moins. Et là, on essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne moins bien, où est-ce que ça fonctionne moins bien. C'est vraiment l'idée du plus on sait, mieux on fait, donc à la fois expérimenter pour généraliser et obtenir plus de performance et d'adéquation avec les besoins des citoyens. Et du coup, cet ancrage territorial, tu parlais d'équipe locale, d'ancrage, il est capital pour pouvoir faire ce travail de façon ajustée et précise. Absolument, il faut être au plus près effectivement du territoire, avoir une connaissance à la fois des contraintes des collectivités locales, de leurs caractéristiques, des attentes, des besoins des citoyens pour mieux effectivement mieux gérer et mieux piloter les projets. Alors, nous avons intitulé ce live « Comment concilier, voire réconcilier la ville avec le geste de tri », on pourrait dire aussi avec la collecte, enfin voilà. Pourquoi alors? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'ils sont fâchés, la ville et le tri, en quoi, comment peut-on les rabibocher, pour le dire plus sérieusement, quels sont les constats que l'on fait et qui nous permettent de dire qu'il y a une action qui est à entreprendre dans ces territoires urbains? Non, alors on va tout de suite oublier cette idée. Les villes et le geste de tri, on n'est pas, voilà, elles sont pas du tout fâchées. Et l'idée est encore moins de mettre un bonnet d'âne hein, à toutes les collectivités qui sont concernées par ça. Au contraire, hein, d'ailleurs, il faut, je pense, tirer son chapeau aux différentes grandes villes en France qui font beaucoup d'efforts pour améliorer leur performance et leur situation. Mais c'est vrai que bah, dans les grands centres urbains, on cumule quand même pas mal de problèmes, hein, pas mal de difficultés qu'il faut surmonter. On observe des différences très importantes de performance entre la ville et les territoires ruraux. C'est pour ça effectivement qu'on concentre une partie de notre action aujourd'hui sur les territoires urbains.
Et le premier facteur de difficulté ou de marge de progrès, c'est quoi? C'est le tissu urbain, c'est l'urbanisme lui-même qui n'a pas accordé assez de place à cette gestion des déchets et à la collecte sélective? Alors peut-être Aline, on peut commencer par quelques chiffres. Hein. On se dit voilà, on assène une vérité. On dit on est moins performant en ville qu'à la campagne entre guillemets. Donc premier chiffre, on a l'habitude de dire on trie deux fois moins en ville qu'à la campagne. Hein. Sur certaines régions françaises plutôt rurales, on peut atteindre des taux des performances de recyclage de plus de 80% voire 90%. Quand en zone urbaine dense, on a des performances qui parfois sont en dessous des 40%, hein, donc on est du simple au double, on trie vraiment deux fois moins qu'en ville à la campagne. Et le sujet pour nous, c'est qu'effectivement, c'est quand même là qu'il y a une concentration de population, bien sûr, mais c'est là aussi qu'on consomme le plus. Hein, on a des habitudes de consommation qui sont un peu différentes. Donc, pour répondre à ta question, voilà, premier élément chiffré. Deuxième élément, pourquoi on observe encore de mauvaises performances en ville? Bah, la première, je pense que je vais rien vous apprendre, c'est le manque de place, hein, dans les grandes villes, à la fois dans les surfaces d'habitation. Quand on est chez soi, dans sa cuisine, on a moins d'espace, ou dans sa salle de bain, bah, on a moins d'espace pour trier. Donc, ça facilite pas forcément le geste de tri à la maison. Parfois, dans certaines grandes zones urbaines, eh bien, on n'a pas accès à un bac jaune, on n'a pas accès à un espace de tri. Et les locaux, voilà, dans les immeubles qui sont dédiés à ça, ne permettent pas toujours d'avoir le bon contenant qui permet, voilà, de trier correctement. Et puis, au-delà des espaces, c'est la question de la place. Oui. Il y a une question de place, effectivement, et une des réflexions, hein, un des éléments que l'on développe aujourd'hui, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est cette question, effectivement, de l'urbanisme, c'est de se dire, bah, si j'ai pas bien la place dans les locaux d'immeubles, il faut effectivement utiliser l'espace public pour aller déployer les bons projets, les bons dispositifs qui vont permettre de faire ce geste de tri. Et là, c'est une nouvelle discussion, nouvelles interrogations, mais il faut pouvoir utiliser cet espace public. Est-ce que les habitudes de consommation des urbains, des citadins, viennent jouer aussi les déplacements sur ces difficultés à capter ou à leur donner accès à un espace de tri? Alors effectivement, parmi les explications, hein, quand on dit on trie deux fois moins en ville qu'à la campagne, il y a d'abord effectivement ce manque de place qu'on évoquait à l'instant. Il y a un autre élément qui est souvent l'anonymat, l'absence de pression, une pression sociale un peu différente, un peu amoindrie, qui joue pas toujours en faveur de comportements écologiquement vertueux. Ça, c'est un deuxième élément d'explication, l'anonymat des grandes villes. Et le troisième élément, c'est les évolutions des modes de consommation. C'est ce que tu disais à l'instant. On a on consomme différemment, l'explosion de la vente à distance. Alors c'est vrai en ville, c'est aussi vrai à la campagne, et aussi la consommation nomade. On consomme plus facilement, voilà, dans la rue, quand on fait ses courses, quand on va au travail, on consomme beaucoup plus d'éléments qu'on a du mal à capter, faute de dispositifs dédiés pour récupérer les emballages, les papiers qui seraient consommés dans la rue, dans les parcs, dans les jardins. Voilà. On a Anthony qui nous dit une bouteille en plastique sur 10 est collectée dans les grandes villes. Puisqu'on parlait de chiffres, justement, tu confirmes ce chiffre? Alors, on est un petit peu, je pense qu'on est aujourd'hui un tout petit peu au-dessus de ça. Les écarts sont pas aussi grands entre la ville et la campagne, mais effectivement, on a longtemps cité ce chiffre-là qui est en cours d'évolution. On fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour capter davantage, que ce soit les bouteilles en plastique, c'est un très bon exemple, mais c'est effectivement pas les seuls emballages qui sont concernés. Aujourd'hui, on a lancé un programme qui s'appelle l'extension des consignes de tri, hein, qui est une obligation aux collectivités locales d'ici à fin 2022 d'étendre les consignes de tri à tous les emballages. Alors, on pouvait déjà recycler, trier pour recyclage ces bouteilles en plastique. On a élargi ça à l'ensemble du genre des emballages et des papiers. C'est l'occasion d'aller récupérer de nouveaux emballages, mais c'est aussi, pourquoi je dis ça, c'est aussi l'extension des consignes de tri. C'est aussi l'occasion de se poser la question du bon dispositif pour les emballages qui étaient déjà concernés, comme les bouteilles en plastique boisson. Et c'est aussi l'occasion de rappeler la consigne, de refaire de la pédagogie et de générer un effet d'entraînement qui aujourd'hui permet d'améliorer les performances sur l'ensemble des emballages et des papiers qui sont concernés. Alors, Solène nous demande si on traite aussi le sujet du compost ou uniquement du tri. Alors, est-ce que là, sur notamment le périmètre de la ville qui est notre sujet aujourd'hui, est-ce qu'effectivement ce sujet est traité?
Alors aujourd'hui, pour nous, l'action, et en tout cas chez Citeo, notre action, elle est bien tournée le plus possible vers le recyclage des emballages et des papiers. On traite nous beaucoup moins de la question effectivement de la question du compost qui est pas dans notre scope d'intervention. Je reste sur les interrogations de Solène qui rebondit sur le manque de place que tu nous disais tout à l'heure. Elle dit des bacs souterrains comme dans des villes plus petites. Est-ce que ça c'est un dispositif d'aller mettre les bacs sous les immeubles? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit, ou est-ce qu'au contraire on veut les faire sortir ou trouver d'autres systèmes pour les rendre visibles et accessibles? Alors nous on n'est pas dogmatique, hein. Dès lors qu'il y a de la place et que ça favorise le geste de tri, que tant que le local est identifiable, qu'on sait très bien qu'il est accessible, qu'il est maintenu, entretenu, qu'il est propre et qu'il permet de faire le geste de tri, nous en la matière, on n'a pas de religion établie. Toujours est-il qu'on se rend compte dans les grandes villes qu'effectivement cette proposition, elle n'est pas toujours accessible, elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et une des solutions pour nous, hein, c'est vraiment d'utiliser l'espace public et pouvoir donner de la visibilité, de l'accessibilité pour le geste de tri. Mais toutes les solutions peuvent être envisagées dès lors qu'elles favorisent le geste de tri, évidemment, et que les solutions sont disponibles et pas trop coûteuses. C'est aussi un des sujets pour effectivement ceux qui les déploient. Bien sûr. Alors, JN, j'espère que je prononce bien, nous dit qu'il manque une politique incitative, une réduction de taxes. Alors, je pense qu'il parle des collectivités, mais on pourrait l'appliquer aussi aux consommateurs trieurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet des politiques incitatives, que ce soit pour les collectivités, effectivement, ou peut-être pour les consommateurs aussi? Alors, une politique incitative, c'est l'objet de... Il y a deux types de politiques incitatives que je peux identifier. Je trouve que c'est une excellente question. La première des politiques incitatives, c'est celle que nous mettons en place puisque nous finançons les collectivités locales. Donc, quand on travaille avec les collectivités locales, on a mis en place un barème financier qui se veut incitatif parce que plus les collectivités mettent en place de projets, plus elles vont récupérer des tonnes d'emballages et de papiers, plus elles sont performantes, plus effectivement elles vont être financées par Citeo. Donc ça, c'est dans la relation avec les collectivités locales, on a bien cette forme d'incitation que l'on a mise en place. Deuxième forme d'incitation qui la touche davantage effectivement le citoyen, le consommateur, c'est de réfléchir à une fiscalité dédiée. Donc cette possibilité, elle existe en France d'une tarification dite incitative, hein, c'est à la différence des déchets avec d'autres types de grands services publics type l'électricité ou l'eau. Souvent encore en France, la fiscalité, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle n'est pas fonction de la consommation du service, de l'utilisation que l'on fait du service dans le cadre des déchets. Il existe des possibilités de mettre en place une tarification incitative. Aujourd'hui, peu de collectivités l'ont mise en place, mais on travaille avec beaucoup de collectivités pour justement réfléchir à la mise en œuvre de cette tarification incitative qui permet de réduire ces ordures ménagères résiduelles, hein, et d'augmenter significativement le geste de tri et de récupérer encore plus d'emballages et de papier, et pour la collectivité, souvent en maîtrisant les coûts de gestion. Donc c'est un élément intéressant qui reste encore à développer. Il existe beaucoup, ça existe en France, c'est peu développé, ça existe beaucoup chez nos voisins européens, donc c'est une possibilité. Magali nous demande comment solutionner le problème des poubelles, des bacs, des conteneurs enterrés, et dit-elle notamment parce qu'elle constate probablement des déchets mis de côté, des conteneurs qui débordent. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les bacs jaunes. Hein. Quelles sont les solutions? C'est vrai que c'est une nuisance pour l'usager et aussi certainement une difficulté pour les collectivités locales. C'est une excellente question là aussi. Effectivement, c'est une vraie difficulté pour les collectivités locales. On disait tout à l'heure, du fait du manque de place, il faut utiliser l'espace public, l'espace urbain, et donner de la visibilité aux déchets. Une des réticences que souvent on entend, à tort ou à raison, c'est effectivement c'est ce qu'on appelle des dépôts sauvages, ce qui est posé à côté, le remplissage effectivement et la collecte régulière de ces bornes, hein, de collecte de proximité. Donc effectivement, quand on réfléchit au bon dispositif, il y a tout l'entretien et l'exploitation du dispositif qui doit accompagner cette mise en place et ce déploiement, à savoir une collecte régulière, des fréquences régulières de collecte et un bon entretien et un bon maintien de ce dispositif-là. Alors, on travaille depuis longtemps, il y en a beaucoup d'entreprises, de start-up,
plus grandes entreprises installées depuis longtemps qui réfléchissent justement à des éléments qui pourraient nous indiquer, alors soit c'est vous en tant que citoyen avec votre smartphone quand vous arrivez devant une bande d'apport volontaire, elle est pleine, elle est sale, elle est mal entretenue, pour faire remonter l'information, soit c'est effectivement les taux de remplissage via des indicateurs de télérelève qui peuvent permettre d'indiquer que là effectivement on a dépassé un seuil acceptable et que très vite il va falloir venir collecter. Donc il y a effectivement des solutions qui existent, qui méritent d'être investiguées, qui méritent d'être davantage déployées, et on travaille avec des collectivités pour les tester avant de les généraliser. Marie nous demande si nous avons des conseils pour aider les particuliers, donc notamment les urbains à Paris, dit-elle, qui manquent de place pour faire le tri, donc des poubelles multi-usages. Il y a un dispositif parisien, donc tu vas probablement nous en parler justement, qui est là pour aider l'usager. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil ou comme innovation, initiative qui permette d'aider les Parisiens? Alors pour Paris, c'est très. Alors on parlait des grandes villes justement qui font beaucoup d'efforts et qui travaillent beaucoup à améliorer le geste de tri. Paris est un très bon exemple, puisqu'effectivement Paris a fait plusieurs choses depuis quelques années. La première d'entre elles, c'est, je parlais tout à l'heure de l'extension des consignes de tri, le fait d'élargir la consigne à tous les emballages. Donc on n'a plus de questions à se poser. Tous les emballages vont dans le bac jaune, que ce soit les pots, les barquettes, les films plastiques, en plus des bouteilles boissons. Donc là, plus de questions à se poser, on est passé en extension des consignes de tri quand on est parisien. Par ailleurs, Paris a aussi travaillé à densifier son parc et à améliorer son dispositif pour que tous les Parisiens puissent avoir accès à la collecte sélective, donc avec voilà des densifications en termes de bornes, la mise en place de ce qu'on a appelé de ce qu'on appelle le trilib, qui a été expérimenté pendant plusieurs années et qui est maintenant généralisé avec près d'un millier de bornes qui vont être déployées sur le territoire parisien. Donc ces bornes, elles sont en extérieur, c'est quand on disait on n'a pas la place dans le local poubelle dans notre immeuble, elles vont permettre de mailler encore plus le territoire et de donner accès au territoire. Donc Paris c'est effectivement un bon exemple de gros efforts qui ont été réalisé pour améliorer la performance et pour simplifier le plus possible le geste de tri. Ensuite, quand on n'a pas la place, on peut effectivement déjà ne plus se poser de questions. Quand on est parisien, tout va dans le bac jaune. Effectivement, on peut avoir réservé un petit espace sous son évier ou dans l'entrée pour coller. C'est un peu plus exigeant, mais pour descendre plus souvent à son bac jaune. Et vraiment, c'est l'idée de cette accessibilité sur le territoire parisien notamment, mais c'est pas la seule ville à le faire, de bien mailler en termes de bornes et de collecte de proximité pour que globalement ça puisse aussi suivre des déplacements que vous pouvez avoir entre chez vous, la crèche, l'école de vos enfants, entre chez vous, le métro, entre chez vous et le travail. Observez aussi ce type de déplacement, ça permet d'éviter de faire des détours et de pouvoir régulièrement, quand on descend de chez soi, aller jeter ses poubelles. Florence a un peu la même préoccupation, je ne sais pas si elle est parisienne, mais en tout cas elle demande aussi quel type de ressources tu peux recommander, où est-ce qu'on peut trouver des aides pour mieux trier voilà, dans sa ville, que ce soit par le numérique ou aller vers un acteur local, peut-être la collectivité, pour récupérer des éléments, de la matière pour aider à bien faire le geste de tri. Alors, il y a plein de sources qui existent. La première que j'ai évidemment envie de vous citer, c'est l'appli Guide du Tri. N'hésitez pas, on a développé une appli Guide du Tri qui permet, en fonction de votre localisation et en fonction de la question que vous vous posez, vous avez un emballage dans la main, n'hésitez pas à regarder sur cette appli Guide du Tri. Elle vous dira où va l'emballage en question, ou la question, quel est le geste de tri à réaliser. L'information vous est donnée par l'appli Guide du Tri. C'est évidemment pas la seule ressource qui est à votre disposition quand vous posez des questions. En général, les collectivités, et c'est pas en général, elles ont développé des informations sur leur site internet. En général, quand elles modifient, quand on passe en extension des consignes de tri, elles ont une communication importante. Donc, on peut trouver un sticker s'il est à jour, un autocollant sur le bac. Quand vous êtes en immeuble, on va souvent avoir une affiche qui va vous expliquer l'évolution du geste de tri et le mémo tri qui peut être distribué dans les boîtes aux lettres. On incite nos interlocuteurs et nos différentes parties prenantes à communiquer régulièrement et à rappeler régulièrement le geste de tri. En cas de question, le plus rapide, c'est l'appli Guide du Tri. Mais effectivement, l'ensemble des collectivités locales a développé également sur son site internet des informations sur ce sujet.
Sabine souhaite revenir sur un peu sur l'origine des difficultés du tri en ville. Elle demande, à ton avis, pourquoi certains pays européens, comme l'Espagne, nous dit-elle, ont réussi à quadriller leur espace public en point d'apport volontaire. Quels sont les freins en France, demande-t-elle. La place qu'on a souhaité accorder souvent. Hein, alors, on a parlé tout à l'heure. Il y avait une bonne question qui était sur. Souvent, ça n'a pas été propre ou souvent c'était caché. Il y a eu effectivement. Il faut une vraie volonté affichée, affirmée, un peu de courage aussi. C'est vrai pour ceux qui le font d'intégrer. Il y a des solutions pour ça. Hein, d'intégrer les bornes dans l'espace public, de leur donner de la visibilité. On a réalisé un certain nombre d'études en lien notamment avec le cabinet Deloitte pour dire voilà quelle est la visibilité des grands services urbains. On se rend compte qu'un certain nombre de services urbains type déchets, énergie, assainissement sont assez peu visibles sur l'espace urbain, et de tous ceux que je viens de vous citer, c'est les déchets qui sont encore le moins visibles. Et pourtant, voilà, il y a donc des efforts à faire, il y a aussi des solutions à trouver. On a travaillé avec des équipementiers, hein, des fabricants de bornes et avec les collectivités locales pour réfléchir aussi à l'intégration dans l'espace urbain. Il faut à la fois que ce soit visible, il faut aussi que ça s'harmonise avec le reste du mobilier urbain. C'est évidemment une attention importante à avoir, et donc du coup réfléchir à remodifier ces bornes-là pour qu'elles s'intègrent mieux, qu'elles soient à la fois plus attractives, plus visibles et qu'elles répondent aussi à des besoins de citoyens. On parlait tout à l'heure de l'implantation. Il faut faire en sorte que cette implantation, elle soit aussi sur les circuits entre guillemets de déplacement des consommateurs, et que ça puisse être le plus propre et le mieux pensé possible pour que le geste de tri soit réalisé. Mais c'est vrai que Sabine cite l'Espagne. J'ai en tête l'exemple de Barcelone qui lie aussi la gestion du déchet avec la propreté. Ça aussi, c'est une des clés aussi pour réussir sa politique de gestion des déchets. Ouais, absolument. Effectivement, de mailler le plus possible avec des dispositifs complémentaires. Hein. Quand on parlait tout à l'heure de Trilib, mais c'est pas, on va pas parler que de Paris, c'est pas le seul exemple. Mais effectivement, réfléchir à d'une collecte de proximité qui peut à la fois permettre de capter ce qu'on consomme à la maison, hein, ces emballages et ces papiers qui sont consommés à la maison et qu'on va ensuite descendre dans la rue avec nos poubelles pour les trier. Et il y a aussi le fait que la complémentarité avec effectivement ce qui va relever des corbeilles de rue, on disait tout à l'heure le nomadisme, il y a une nouvelle consommation à aller capter via les corbeilles de rue, et on peut trouver une forme de complémentarité dans des dispositifs qui permettent à la fois d'aller capter les emballages et les papiers qui sont consommés à la maison et ceux qui sont consommés dans la rue. Il y a François qui demande aussi comment on peut aider les élus à être fiers de sortir les poubelles dehors, dit-il, de la valorisation des déchets. Est-ce qu'il y a un travail aussi, puisque on dit il y a un manque de visibilité des équipements, notamment dans les quartiers prioritaires, nous dit François. On travaille nous aussi avec les élus à trouver les arguments, trouver les bons leviers pour faire accepter aussi bien aux équipes municipales ou dans les agglomérations qu'à leurs administrés, que la poubelle doit être visible et qu'il faut en être fier. Alors, premier élément, peut-être avant de répondre plus précisément à la question, premier élément, on avait fait des études il y a quelques années, on sait très bien qu'effectivement, là où on va être performant, c'est là aussi où c'est sur les territoires où la collecte est performante, on sait aussi qu'on a des élus qui sont investis, qui sont visibles, qui portent le message et qui le portent régulièrement, donc c'est un élément très important, effectivement, d'avoir les collectivités locales en première ligne sur cette question. J'ai oublié ta question, Adeline, donc je suis en faire semblant. Oui, la question porte, c'est comment aider les élus à être fiers de la valorisation des déchets, c'est-à-dire de sortir les équipements, sortir les poubelles et d'être fiers de cette politique engagée et volontariste. Pardon, merci de ce rappel. Effectivement, je pense qu'en général, voilà, les élus qui sont investis, quand ils voient l'évolution de la performance, c'est une demande forte des citoyens et des consommateurs aujourd'hui d'avoir une possibilité de mieux trier ses déchets. La préoccupation environnementale est une préoccupation qui est de plus en plus partagée par les citoyens. Elle relève aussi de cette question du geste de tri et du recyclage de nos emballages et de nos papiers. La manière dont nous on travaille aussi avec les
avec les élus et les collectivités locales, c'est de valoriser, c'est de donner de la visibilité, de valoriser évidemment les projets et de les intégrer dans cette réflexion-là, c'est-à-dire de reconnaître les caractéristiques ou les particularités d'une collectivité, de sa situation et des attentes des citoyens, et de travailler avec elle avec un dispositif adapté qui sera 100% dédié à la collectivité en question. On sait aujourd'hui, voilà, on parlait tout à l'heure de contraintes urbanistiques, les contraintes esthétiques, patrimoniales. On sait que dans certaines villes et dans beaucoup de villes en France, malheureusement, il y a aussi des contraintes sécuritaires de plus en plus qu'il faut intégrer. Donc ça, c'est des éléments. On travaille en collaboration avec avec les élus et les collectivités pour anticiper le déploiement, pour travailler un déploiement d'équipements de mobilier urbain. On peut peut-être donner un ou deux exemples là-dessus de collaborations qui sont encore en cours, mais qui ont été lancés. C'est par exemple avec la métropole de Lyon, hein, au moment du passage en extension des consignes de tri, on a fait un travail, un atelier créatif, un sprint créatif qu'on a appelé Triomix, où dans une même salle, pendant quelques jours, on a réuni une centaine de personnes, d'associations, d'équipementiers, d'opérateurs, de collectivités locales, à différents échelons de la collectivité locale, pour identifier quelles étaient les problématiques qui étaient poussées, mises en avant, hein, les interrogations qu'avait la métropole de Lyon, et réfléchir ensemble à des prototypes qui seraient ensuite, il y avait 6 prototypes en fonction des problématiques évoquées, le nomadisme, on parlait de la consommation nomade, on n'en a pas parlé, mais d'événements un peu particuliers sur la rue qui peuvent arriver, un événement sportif, un événement culturel, où là aussi ça va générer un certain nombre de déchets qui sont à capter, puis le quotidien, hein, des emballages ménagers, donc des prototypes qu'ensuite on va tester, où chaque entité, entre guillemets, partie prenante, équipementier, collectivité locale, opérateur, en fonction de ses contraintes et de ses réflexions, va pouvoir pousser un certain nombre de prototypes. Et donc ensuite, la collectivité va tester avant, évidemment, puisqu'on aime beaucoup cette question qu'on appelle le test and learn, mais de se dire, voilà, on va tester des choses avant de généraliser, on va regarder ce qui fonctionne, ce qui est susceptible d'être amélioré, et ce qui fonctionne pas et qu'on peut abandonner. Donc premier exemple, Triomix à Lyon, ça continue, hein, les prototypes sont en cours de réflexion. Deuxième exemple un peu différent, c'est Bordeaux. Avec en lien avec la communauté urbaine de Bordeaux, voilà, vous voyez les images à l'écran et au CONI, où là on a des prototypes un tout petit peu différents. On est allé à la rencontre de la population, on a mis en place un certain nombre de prototypes. Alors, vous voyez, c'est du bois, c'est pas ce sont des prototypes vraiment provisoires, où à la rencontre de la population, on s'est posé un certain nombre de questions sur l'ergonomie de la borne à question, sur son positionnement, sur ce qu'elle donnait comme élément de pédagogie, de sensibilisation, quelles étaient les réticences de la population à faire le geste de tri ou les interrogations qu'elle se posait, les difficultés qu'elle pouvait rencontrer et les améliorations continues qu'on pouvait apporter au prototype, par exemple la taille de l'opercule, le positionnement de l'opercule, est-ce qu'on veut une opercule, est-ce qu'on veut une pédale, est-ce qu'il faut une patère pour accrocher le sac dans lequel on aurait mis les emballages, est-ce qu'on est plus sensible quand il y a effectivement un espace un peu fleuri, une décoration, voilà, une visibilité. Donc se poser toutes ces questions qui permettent, voilà, aux citoyens, aux consommateurs qui est concerné par, évidemment, le premier concerné par le geste de tri, de se dire, voilà, quelles sont les choses qui permettent un meilleur geste de tri, une amélioration. Il y a des choses qui fonctionnent comme ça, par exemple, typiquement embellir le point de tri, ou alors avoir un petit quick win pratique, actionner la pédale plutôt que qu'autre chose. Est-ce que ça, c'est vraiment des éléments qui font gagner en confort et du coup pour l'usager et du coup en attractivité par rapport au point de tri? Bah, on en a parlé. Alors c'est un sujet, on va pas en faire. Il y a la question de la propreté. Déjà, effectivement, il faut que ce soit, voilà, régulièrement entretenu, qu'on puisse s'approcher. Souvent, si on le fait, c'est effectivement dans un déplacement autre. Je vais déposer mes enfants à l'école, je me rends au bureau. J'ai pas forcément envie, voilà, d'être en contact avec quelque chose de sale. Donc effectivement, la propreté, c'est un élément qui revient régulièrement. L'idée, c'est pas non plus de se dire que tout est sale et mal entretenu. C'est pas du tout l'objet, mais c'est effectivement un élément qui revient souvent. On a testé des choses. On avait mis une petite bibliothèque, on avait posé un potager, on avait fleuri un peu les éléments. Effectivement, ça donne un cadre un petit peu plus clean, un petit peu plus vert, qui permet effectivement d'attirer l'œil et de donner plus envie. Mais effectivement, dès lors qu'on limite le plus possible la pédale, par exemple, c'était un élément, le fait de poser sa patère ou la taille de l'opercule pour pouvoir verser plus facilement les emballages et les papiers, oui, c'est des éléments qui reviennent très régulièrement, qui sont vraiment des questions d'ergonomie, mais une ergonomie qui doit être repensée
pensée pour ne pas être bloquante dans le cadre du geste de tri. On a une question, on l'a évoquée tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment très lié au sujet aussi du nomadisme et de la ville, c'est la bouteille en plastique. On nous demande comment faire pour récolter davantage de bouteilles en plastique. C'est vrai que c'est un emballage qui est parfaitement recyclable, mais qui n'est recyclé qu'à 61%. Donc, on a une marge de progression qui est très forte. Quelles sont les grandes, si tu peux nous décrire les grandes actions ou le plan d'action de Citeo sur cet emballage peut-être en particulier? Alors, on a essayé, on a testé, effectivement. Alors, déjà, il y a, encore une fois, je le redis parce que vraiment, ça concerne toutes les collectivités, ça concerne tous les emballages. Vraiment, l'idée, d'abord, c'est l'extension des consignes de tri, d'harmoniser la compréhension de la consigne, d'harmoniser le geste de tri, de le simplifier le plus possible, d'aller capter d'autres emballages et de créer de l'effet d'entraînement sur les emballages et les papiers historiquement triés depuis le démarrage de la collecte sélective. Pour nous, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a vraiment cette question de la communication, quel que soit la taille du contenant, hein, une petite bouteille, une grande bouteille. Voilà, l'idée, c'est vraiment, et les petites bouteilles, on parle vraiment du nomadisme, on parle davantage du nomadisme. Donc là, encore une fois, communiquer, quelle que soit la taille du contenant, il a vocation à aller dans la collecte sélective. Et puis, c'est déployer des dispositifs ad hoc sur les lieux de consommation, qui est là un vrai sujet, le sujet dont on parle, c'est-à-dire, on appelle ça le hors-foyer, pouvoir capter, pouvoir réaliser le geste de tri. Donc, on essaye avec un ensemble de collectivités locales, on expérimente un certain nombre de dispositifs pour pouvoir récupérer sur l'espace public, dans le cadre des corbeilles de rue, une partie, tout ou partie, on aimerait toute cette consommation hors foyer. On a aussi développé, on a expérimenté un certain nombre de choses via ce qu'on appelle les RVM, hein, ces machines où on ramène une bouteille vide, pas là où on l'achète, hein, mais ces machines ont un peu le même aspect, où on va aller effectivement reposer une bouteille qui a été vide, qui est consommée, et récupérer un petit peu un petit coupon, une petite, j'allais dire rémunération, c'est pas le bon mot, mais quelques centimes d'euros pour développer encore davantage ou améliorer le geste. Donc on teste un certain nombre d'éléments pour améliorer le geste sur la collecte des bouteilles boissons. On a une question de Sophia sur les nudges. Elle dit, on parle beaucoup des nudges. Alors peut-être tu peux nous rappeler aussi ce qu'est un nudge. Travaillez-vous dessus, nous demande-t-elle, et avez-vous des exemples? Alors oui, on a lancé il y a quelques mois, j'allais dire quelques années, mais en fait il y a à peu près 2 ans, on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt. Qui n'adressait pas que la question des nudges, mais effectivement un appel à manifestation d'intérêt sur la collecte innovante où on allait essayer de trouver des petits ou des gros projets, quelle que soit l'envergure ou quel que soit le niveau de déploiement, ou qui s'adressaient prioritairement à la ville, qui s'adressaient prioritairement d'ailleurs aux emballages bouteilles boissons, où on allait essayer de trouver des éléments un peu différents qui pouvaient s'intégrer, qui pouvaient parler à des catégories de population particulières, à des situations de vie particulières, à des lieux de vie, situations de vie plutôt le nomadisme, lieux de vie plutôt des grands centres urbains, où là on allait tester des petites mécaniques comme effectivement les nudges, à savoir donner une incitation pédagogique pour éviter les dépôts sauvages, pour resensibiliser sur le geste, pour attirer effectivement le geste de tri. Donc on a lancé effectivement un certain nombre de projets. Pour certains d'entre eux, ils ne sont pas terminés. Donc, en termes de retour d'expérience, on n'a pas des choses sur étagère qu'on pourrait livrer avec des chiffres d'augmentation de la performance, de la fréquentation, entre guillemets, des bornes. Mais effectivement, ce sont des choses auxquelles on s'intéresse et que nous testons, parce que l'idée vraiment, c'est de trouver le dispositif qui parle au plus grand nombre et qui permet vraiment d'améliorer la performance. Sur ces appels à manifestation d'intérêt, il y a plusieurs dizaines de projets que nous soutenons dans le cadre donc des appels à projets successifs. Je crois qu'il y en a eu trois. Là aussi, on est sur ces types de leviers qu'on active. Tu parlais de récompenser le geste de tri pour le motiver. Mettre un nudge. Travailler aussi sur la solidarité. Hein, tu nous parlais de cet intitulé, hein, collecte innovante et solidaire. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples, hein, ou 2 exemples, peut-être sur l'aspect aussi solidaire qui est en cette période, je dirais, de crise sanitaire, économique, un point important qui touche aussi un grand nombre d'entre nous?
Effectivement, donc l'idée de cette AMI collectivement et solidaire, c'est effectivement de traiter d'identifier tout l'écosystème qui peut travailler, qui se pose des questions sur la communication sur le geste de tri. Donc un des éléments, on parlait des RVM tout à l'heure, où vous allez ramener votre bouteille et vous récupérez un coupon ou quelques centimes d'euros. L'idée vraiment là, c'est de tester l'incitation financière. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça permet d'améliorer le geste de tri? Est-ce que ça l'améliore durablement? Hein, est-ce que passer la question de la récompense, on continue son geste de tri? Est-ce que ça a un effet d'entraînement au-delà de la bouteille boisson? Est-ce que ça fonctionne sur les autres emballages? Est-ce que ça permet de sensibiliser sur un geste plus large, le geste de tri globalement au-delà de la bouteille boisson? Donc ça fait partie des sujets qu'on essaye de regarder, qu'on expérimente pour voir effectivement les généraliser. Ce qu'on a regardé aussi, on accompagne un projet qui s'appelle YoYo dans différentes villes de France et notamment à Lyon. Donc YoYo, c'est à créer une communauté collaborative. Hein. On a des coachs en pied d'immeuble, dans les immeubles, dans les quartiers. Quelqu'un qui va communiquer auprès de la population, qui va pour le compte de cette population récupérer un nombre de bouteilles, qui va être récompensé, qui va être financé pour ça. Donc là, on a une personne qui va porter le message sur le geste de tri, qui va aller collecter prioritairement des bouteilles boissons. Et ce qu'on observe là, c'est cette communauté à la vocation à grandir. Communauté des gens qui sont effectivement sensibilisés à cette question du geste de tri. Et au-delà de la récupération des bouteilles boissons, l'idée aussi c'est de regarder l'effet d'entraînement sur les autres emballages et la hausse des performances que cela génère. Mais en tout cas, effectivement, ça permet une forme de solidarité, de créer des communautés d'intérêt autour de ça, de bien communiquer sur ce sujet-là et de donner un rôle à un certain nombre de personnes dans leur quartier, dans leur rue, dans leurs immeubles. On a une question, Anne-Sophie, de Lilia qui nous dit, avec la généralisation, la simplification du tri, extension de consignes de tri, tu en parlais tout à l'heure, comment l'augmentation des déchets à recycler est gérée par les collectivités locales? Elle dit, quand on voit que les bacs jaunes débordent, alors ça peut être le cas en effet, comment accompagner ce changement? Elle pose une autre question associée. Une campagne de réduction des emballages est-elle effectivement associée à cette mesure d'élargissement des consignes de tri? C'est une très bonne question. Effectivement, quand on passe en extension des consignes de tri, on disait voilà, on offre la possibilité aux consommateurs de trier l'ensemble de ces emballages. Il y a une communication ad hoc qui doit être faite. C'est finalement la dernière étape du passage en extension des consignes de tri par une collectivité locale. La première des étapes, qui n'est pas des moindres, c'est la modernisation du centre de tri. C'est-à-dire qu'on va, dès lors que vous allez vous mettre à trier tous vos emballages, vous allez envoyer des pots, des barquettes, des nouvelles résines plastiques, des films qui ont des caractéristiques particulières et qui se comporte de manière différente en centre de tri. Donc la première des étapes, c'est de moderniser son centre de tri, souvent de l'agrandir et de le doter d'outils, de machines qui vont lui permettre de trier ses nouveaux emballages, de les détecter pour les envoyer ensuite en filière de recyclage. Si on remonte finalement la chaîne, l'étape d'avant, c'est aussi adapter le dispositif. Et nous, dans notre relation avec les collectivités locales, dans la sélection des projets, dans l'analyse que l'on fait des projets, un des éléments qu'on va aller regarder, c'est la correcte adaptation du dispositif de collecte. Est-ce que le dispositif est suffisamment bien dimensionné pour accueillir ces nouveaux emballages? On parle des films, on parle des pots, des barquettes. Ça, c'est relativement foisonnant. C'est pas lourd, mais c'est foisonnant. Ça va prendre de la place dans le bac jaune. Et il faut regarder effectivement si la taille du bac, si la fréquence de collecte est suffisamment bien adaptée à cette nouvelle, à ces nouveaux emballages, ces nouveaux déchets qui vont arriver. Donc ça aussi, c'est un préalable au passage à l'extension des consignes de tri. Et c'est une fois qu'on aura modernisé le centre de tri, fait l'analyse, le diagnostic du dispositif de collecte, voire l'adaptation s'il n'est plus correctement dimensionné de ce dispositif de collecte, que entre guillemets tous les feux sont au vert pour pouvoir communiquer auprès du citoyen et lui dire voilà, maintenant tout est prêt pour mettre en place cette extension des consignes de tri et lui offrir la possibilité de trier. Alors François nous parle de sémantique et de choix des mots aussi pour opérer le changement. Alors je te donne sa question. François dit, la sémantique doit venir aider à redonner de la valeur à nos objets devenus inutiles. François dit-il, il dit, je milite pour remplacer poubelle par bac
Hein, il a raison. Déchets par matériaux ou produits recyclables ou valorisables. Alors, est-ce que c'est un bon levier, ça, de s'attaquer effectivement au vocable, hein, pour partager un vocabulaire commun qui va vers la ressource? Il a raison. Il a tout à fait raison. François, effectivement, on parle de ressources. On a eu même l'habitude de dire chez Citeo qu'on avait de l'or dans nos poubelles. Alors, sans parler d'or dans nos poubelles, en revanche, on a des matériaux qui sont effectivement des matériaux qui ont vocation à être recyclés, à repartir dans un process de production de nouveaux emballages, de nouveaux objets, de nouveaux produits. Donc, effectivement, ce ne sont plus des déchets dont on se débarrasse et qu'on ne veut pas voir. Ce sont effectivement des futurs matériaux à recycler, des matières premières dites secondaires. Il y a même un terme pour ça, effectivement, matières premières secondaires. Il a tout à fait raison. Et est-ce que l'action de Citeo, elle participe aussi à comment casser certaines idées reçues ou faire de la pédagogie pour justement démontrer que voilà, le geste de tri est utile, le geste de tri peut permettre, voilà, contribue en tout cas à aller vers une planète plus préservée, à la préservation des ressources, à un environnement meilleur. Quelle est l'action de Citeo sur ce point? Est-ce qu'elle est complémentaire aux aspects plus techniques qu'on a évoqués jusqu'à présent? Alors effectivement, là, on s'est concentré sur notre intervention, sur les territoires, sur la collecte sélective, mais au-delà de ça, et tu le disais en préambule, on a différentes actions de sensibilisation. Notre rôle, il n'est pas que sur cette gestion des projets collectivités locales. On a effectivement un rôle qui est plus élargi chez Citeo. Le premier de ces rôles, tu l'as évoqué, hein, c'est d'échanger avec nos clients, ceux qui mettent des emballages et des papiers sur le marché, pour effectivement les sensibiliser. On posait la question tout à l'heure de la réduction des emballages. Il y a quand même un gros travail de R&D, de recherche et développement, d'éco-conception, de réflexion sur l'éco-conception de nos produits. On dit régulièrement, voilà, le poids de la bouteille en plastique s'est allégé. Il y a effectivement des complexités qu'on peut rencontrer dans certains emballages qui rendent difficiles à trier, à détecter en centre de tri, qui les rendent parfois un tout petit peu plus complexes à recycler et qui parfois, même pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes, nous font nous poser la question. Donc effectivement, le premier point, c'est cette réflexion sur l'éco-conception des produits que nous consommons. Deuxième élément et deuxième rôle de Citeo, c'est effectivement ce travail, et tu travailles à la direction de la communication, c'est effectivement ce travail, hein, plus on sait, mieux on fait. C'est un travail de communication, de sensibilisation auprès de... Alors, on a plusieurs niveaux de communication. On a une communication de sensibilisation du grand public, de mobilisation du grand public, mais on accompagne aussi, et là, je reviens à mon rôle collectivité locale, on a appris des choses, hein, en 30 ans d'existence, on a fait un certain nombre d'expérimentations, on a fait un certain nombre d'études, et parfois, voilà, on a fait des projets qui ont bien marché et d'autres qui ont moins bien marché. Donc, on sait dire aussi en termes de communication ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, la régularité, la fréquence. Donc, c'est de la communication qu'on fait. Si on va sur notre site internet, on va trouver pas mal d'éléments qui sont à la disposition de nos différentes parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, bah, des éléments de communication à destination des collectivités locales. On va avoir des éléments de communication à destination de nos clients, hein, les entreprises metteurs en marché. Et on va aussi avoir des éléments de communication plus grand public, d'explication de comment ça fonctionne. J'ai en tête, par exemple, mais il y en a plein d'autres, les suivez-moi, hein, où finalement, voilà, on suit aussi la vie d'un emballage, de la collecte du bac jusqu'à la sortie du centre de tri, où là on voit comment tout cela fonctionne et quel est l'intérêt vraiment du geste de tri, mais aussi voilà de ce qu'on peut mettre. On n'en a pas parlé, mais le fait de pouvoir mettre des emballages salis, le fait de ne pas imbriquer les emballages, tout ça c'est effectivement très important pour leur triabilité et leur recyclabilité ensuite. Et sur la communication au-delà du grand public, on a aussi toute une communication dédiée auprès des enfants, auprès des scolaires, quel que soit le niveau scolaire de la primaire jusqu'au lycée, où là effectivement on a des éléments pédagogiques qui s'intègrent dans des cycles pédagogiques annuels, hein, en mathématiques, en histoire, en physique, où on va effectivement sensibiliser, parce qu'on sait très bien, voilà, que les enfants d'aujourd'hui sont les consommateurs, les citoyens et donc les trieurs de demain. Et qu'en plus, voilà, ils peuvent faire passer un certain nombre de messages auprès de leur entourage, et à commencer par les parents. Donc effectivement, des séquences de ludiques et pédagogiques pour inciter au geste de tri. On va peut-être prendre encore deux questions. Une question de Caroline, toujours en lien avec le déploiement de la simplification du tri. Elle demande, compte tenu, on revient sur la saturation des bacs, c'est ce qu'elle dit, pensez-vous multiplier le nombre de collectes
du bac jaune. Est-ce qu'il faut absolument faire ça? Est-ce que c'est une règle ou est-ce que ça se discute en fonction de la situation de la collectivité? Peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça. Comment on envisage la chose? Alors, plutôt, effectivement, ça se discute beaucoup en fonction de la situation de la collectivité, voire ça se discute beaucoup en fonction de l'immeuble ou de la maison dans laquelle vous êtes dans la collectivité locale. Quand on a démarré l'extension des consignes de tri, on a fait effectivement un certain nombre d'études préalables pour se dire où on en est de la saturation, entre guillemets, du taux de remplissage des bornes et des bacs qui sont mis à la disposition des citoyens. Est-ce que faire l'extension des consignes de tri, ça veut dire revoir l'ensemble du parc et des bornes pour accueillir ces pots, ces barquettes, ces films qu'on évoquait et qui sont relatifs à l'extension des consignes de tri. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que, alors c'est ce que je dis là est vraiment une moyenne nationale, c'est une observation globale et qu'elle ne se retrouve pas partout, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, on n'était pas au taux de remplissage, on n'était pas à 100%. Et qu'il y avait encore de l'espace, il y avait encore de l'espace disponible dans les bornes et dans les bacs, et que finalement sur un certain nombre de territoires, une majorité de territoires, passer en extension des consignes de tri ne générait pas forcément une modification des fréquences de collecte, des tournées de collecte ou du contenant, de réfléchir au contenant. Donc c'était pas forcément c'était pas forcément le cas. On était plus sur l'importance de la communication, l'importance de l'entretien, d'avoir un bac qui était propre et qui n'était pas du tout abîmé, mais effectivement on avait des taux de remplissage qui permettaient encore d'accueillir même des éléments relativement foisonnants. Ceci étant dit, ça c'est vrai au niveau national, c'est vrai sur une moyenne nationale, mais ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'en fonction, et notamment sur les territoires urbains, quand on a peu de place pour entretenir des bacs de grande taille, effectivement la question qui peut se poser, c'est soit on a un peu de place et on peut agrandir la taille du bac sans revoir les fréquences de collecte, soit effectivement on n'a pas cette place là donc on a plusieurs options qui s'offrent à nous: revoir les fameuses fréquences de collecte, soit sortir, et c'est ce qu'on disait, sortir le bac, arrêter de le cacher dans un local poubelle qui est pas forcément adapté compte tenu de nos nouveaux modes de consommation et du nombre de tri à réaliser, hein. On parle collecte sélective, mais effectivement il y a les OMR, il y a le verre en plus, il y a les biodéchets qui vont arriver. Tout ça, ça augmente parfois le nombre de bacs. Et donc l'idée pour nous et qu'il faut pour nous investiguer, c'est de sortir encore une fois sur l'espace public et de mettre cet espace de tri sur les trottoirs, sur l'espace public. Alors, Solène pose la question de l'harmonisation. C'est ce que je comprends de sa question. Elle dit dans chaque ville, ce qui rentre dans la poubelle jaune varie d'une ville à l'autre, voire même d'un pays européen à l'autre. Alors, serait-il envisageable d'uniformiser à l'échelle nationale, on en a déjà un petit peu parlé, européenne dans l'idéal, les conditions, dit-elle, de recyclage des matériaux? On pourrait parler en commençant peut-être par la collecte. Alors, cette harmonisation à l'échelle européenne est-elle une utopie? Alors, on va déjà commencer modeste. On va commencer. C'est une excellente question. On y travaille. Ça prend du temps. Effectivement, l'extension des consignes de tri, encore une fois, elle permet cette harmonisation le plus possible. Que je sois à Paris, à Rennes, à Marseille ou ailleurs, en fait, je peux mettre dans mon bac jaune les mêmes emballages. Je peux mettre les mêmes matériaux. On parlait les pots, les barquettes, les films. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle du bac jaune, il est impératif, et ça c'est un élément qui a pu être un frein par le passé et qu'on essaye de lever le plus possible, qui peut être un frein au geste de tri, c'est de se dire mais quand je suis au travail, quand je suis dans la rue, quand je suis à la maison et quand je suis chez mes beaux-parents, eh bien c'est pas le même geste de tri. Donc ça c'est un élément de simplification très fort, la question de l'harmonisation. Et l'harmonisation, elle passe par deux choses. Elle passe parce que c'était pas forcément compris dans la question, parce que déjà quand on a un bac jaune c'est bien, mais parfois on n'a pas de bac jaune. Le bac il peut être bleu alors qu'on peut mettre du plastique, il peut être magenta, on peut voilà. Donc l'harmonisation, elle passe par la couleur du bac, elle passe par l'harmonisation du message le plus possible. Ça, c'est une vraie garantie de réussite et de performance, parce que du coup, on se pose plus la question vraiment. Voilà, tous les emballages vont dans un. J'ai un plastique ou j'ai un emballage en métal. Il va dans le bac jaune. Effectivement, par rapport à nos voisins européens, ça c'est une autre question, une autre paire de manches entre guillemets, on est sur un dispositif qui est un peu différent de l'ensemble de nos voisins européens, parce que nous on a fait le choix de tout mettre souvent dans le même bac. Alors on a parfois, et certains d'entre vous peut-être connaissent ce geste de tri où on a séparé le non-fibreux, les plastiques, les métaux du fibreux, des papiers, des cartons. Donc ça existe en France, c'est pas du tout majoritaire, puisque en France la majorité
des schémas de tri relèvent de ce qu'on appelle le multimatériau. Donc, on met tout dans le bac jaune, sauf le vert. Chez nos voisins européens, effectivement, on va retrouver un schéma qui peut être un peu différent, qui souvent va relever de ce qu'on appelle le fibreux non fibreux. Donc, encore une fois, plastique métaux d'un côté, papier carton de l'autre. Oui, voilà, donc ça c'était donc la question de Solène sur l'extension à l'échelle européenne. Voilà, il n'y a pas de discussion en cours. Là, j'imagine que c'est plus difficile. D'abord, l'échéance de l'extension des consignes de tri à l'échelle de la France, on est quoi autour de 2022 ? L'objectif effectivement légal, c'est le 31 décembre 2022. Des collectivités n'auront pas tout à fait fini leur projet au 31 décembre 2022. Donc, on dépassera cette échéance de l'extension des consignes de tri. Hein. On travaille le plus possible pour accélérer, maintenir le rythme du programme, pour faire en sorte d'offrir cette possibilité à une grosse partie des Français. Aujourd'hui, on est à 50% d'extension de couverture par l'extension des consignes de tri en France. Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a aussi, vous savez, des questions qui se posent sur cette question de l'harmonisation quand même. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est même pas pour demain, voire pour après-demain. On est sur des délais qui sont plus longs. Mais cette question de l'harmonisation du schéma de collecte, c'est une question dont s'est emparée l'Union européenne, effectivement. Donc là, on aura, nous, quelques questions à se poser, puisqu'on est aujourd'hui sur un régime dit dérogatoire. On est un peu différent. Français, on a souhaité se démarquer, on est un peu différent de nos voisins européens. On a une question d'Isabelle qui nous dit Je lis le témoignage. Le problème de laisser les conteneurs sortis en permanence, c'est que bien souvent, ils deviennent des bacs à tout. Le bac de tri est le bac à tout. Et que l'on y retrouve d'autres types de déchets que l'on ne souhaite pas. Et elle dit, de plus, ils attirent, effectivement, d'autres déchets. Et l'espace public devient alors une décharge. Hein, je reprends ces mots. C'est un risque, effectivement, c'est un risque, ça, Anne-Sophie, qu'on vérifie sur le terrain ou... Alors, effectivement, quand vous voyez les bacs qui restent entreposés, il y a des règles, et notamment il y a des règlements normalement de la part des collectivités locales qui indiquent clairement quand vous devez vous-même de votre habitation sortir votre bac. Il y a effectivement une règle pour connue ou méconnue qui dit que théoriquement vous pouvez pas laisser votre bac sur l'espace public. Il a vocation à être rentré à un moment dans votre garage, dans votre jardin, et que vous ne pouvez pas le laisser comme ça sur l'espace public, parce qu'effectivement c'est une place qui est pas prévue à cet effet, qui n'est plus occupée par une poussette, par des piétons, pardon. Donc effectivement, ça prend de la place et ça peut mettre en danger, cette occupation, elle peut mettre en danger les autres utilisateurs de l'espace public. Et effectivement, le risque, c'est que la personne qui passe là et qui n'a pas d'autres dispositifs dédiés puisse mettre effectivement son mouchoir, sa bouteille, alors que c'est pas forcément dédié pour ça. L'idée quand même, c'est de faire en sorte le plus possible, qu'on ait des espaces dédiés les moins éloignés les uns des autres, pour que je n'ai que 20 mètres à faire pour jeter le mouchoir que j'ai dans la main, qui ne va pas dans la collecte sélective, ou la bouteille qui ira dans la collecte sélective. Donc ça veut dire que je dois avoir effectivement un dispositif relativement intégré qui me permet de faire la totalité du geste, que je dois trier séparativement du reste, et qui est suffisamment bien maillé pour offrir la possibilité sans rendre compliqué le déplacement dans l'espace urbain. Un dernier mot très court sur l'innovation, l'analyse des données, l'analyse de la data, la smart city. Est-ce que c'est la voie d'avenir? En tout cas, est-ce que ces nouvelles technologies qui envahissent, qui s'emparent de la ville, sont effectivement des perspectives qui sont intéressantes pour résoudre, par exemple, les problématiques qu'on citait et d'autres? Oui, effectivement, là c'est effectivement un dernier bon mot pour terminer, parce qu'effectivement ça permet utiliser la data, utiliser l'innovation quelle qu'elle soit, c'est effectivement un élément très important pour améliorer la qualité de service. Aujourd'hui, on pourrait avoir à notre disposition, mais il faudrait pour ça pouvoir l'utiliser, un certain nombre d'informations sur les usages de la ville, l'usage de la voirie, l'usage de la collecte des déchets. On parlait des flux de déplacement des personnes dans la ville, entre les transports en commun, les commerces, les écoles, le travail. Tout ça, c'est autant d'éléments
d'horaires, des moments où on sait ce qui est jeté, comment ça va être jeté, à quel moment, à quel instant, dans quel temps de vie. Donc ça permet aussi de mieux adapter le dispositif, de répondre mieux voilà aux questions des consommateurs, et ça permet, on parlait tout à l'heure de taux de remplissage, certains se disaient voilà c'est parfois les bacs sont pleins, mais cette question de la data, elle permet de nous fournir de l'information pour mieux adapter peut-être dans un futur proche les mieux réagir, mieux entretenir, mieux maintenir, mais aussi mieux collecter les dispositifs, les bacs qui sont mis à la disposition pour la collecte sélective. Donc ça permet effectivement de donner un certain nombre d'informations. C'est vrai aussi dans les espaces très très fréquentés, hein, pour les collectivités concernées qui sont très touristiques, où là on peut avoir des décalages très importants entre les espaces de vie, les espaces voilà où on vit, et les espaces touristiques qui sont très sollicités, où évidemment les taux de remplissage et la nature de la consommation n'est pas la même. Donc là aussi il y a des informations très importantes qui peuvent être données. Encore une fois là-dessus, nous on a effectivement des expérimentations, hein. C'était l'objet des différents éléments qu'on évoquait, que ce soit Oconi à Bordeaux, Triomix à Lyon, mais aussi l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt sur la collecte innovante et solidaire. L'idée c'est aussi d'aller détecter les entreprises, les collectivités qui souhaitent se lancer dans cette aventure, qui souhaitent expérimenter des choses. Je pense que là on est encore une fois sur ce qu'on appelait tout à l'heure le test and learn. Il y a des choses à essayer, à expérimenter avant de les généraliser totalement. Et puis on s'appuie aussi sur notre programme d'Open Innovation, Circular Challenge CTO. D'ailleurs, la prochaine édition aura lieu le jeudi 3 décembre. On vous incite à sur nos réseaux sociaux à y participer. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci pour tous ces éclairages. Et merci à vous tous pour vos questions. On a bien sûr essayé d'en prendre le maximum, et continuez à nous les poser. Vraiment, n'hésitez pas, et à nous suivre sur LinkedIn. On y parle très souvent de toutes ces questions sur la collecte, sur le tri, sur la performance et l'innovation. Et dans une quinzaine de jours, eh bien, on remet le couvert pour parler collecte. Alors, dans un sens peut-être encore plus large, pas uniquement collecte en ville. Et ce sera avec Romain Lebègue, qui est donc directeur développement collecte et tri chez Citeo. Merci beaucoup, très bonne journée à tous, à très bientôt. Merci, au revoir.